tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'été indien. Je suis Clément et je vais vous présenter trois exercices pour réguler votre rythme cardiaque. Dans un premier temps, pour ce premier exercice, vous allez vous asseoir dans un endroit confortable, un canapé, un fauteuil. Vous pouvez être assis et vous pouvez être même couché sur le sol. Le premier exercice, donc, ça va être un exercice de respiration abdominale. On va essayer de baisser un petit peu votre respiration, puisque naturellement, en fait, on a une respiration qui va être plutôt haute au niveau de la cage thoracique. Le but de cet exercice va être d'essayer de descendre la respiration pour avoir une respiration abdominale. Donc, vous allez tout simplement positionner une main sur votre poitrine, l'autre main sur votre ventre, d'accord? Vous pouvez fermer les yeux, ça n'a pas beaucoup d'importance, mais ça peut faire la différence pour vous concentrer sur cette respiration. Donc, main sur la poitrine, main sur le ventre, d'accord? Et vous allez commencer à inspirer profondément et surtout, vous allez inspirer par le nez et vous allez souffler par la bouche. Ça, c'est très important, c'est la base de cet exercice de respiration. Donc, inspiration par le nez et expiration par la bouche. Et pendant que vous allez faire ce cycle-là, vous allez essayer de descendre l'air plutôt au niveau abdominal. C'est-à-dire que pendant que vous allez inspirer par le nez, vous allez gonfler votre ventre et quand vous expirez par la bouche, vous allez dégonfler votre ventre. D'accord ? Faites ce cycle-là plusieurs fois jusqu'à ce qu'il y ait une certaine synchronisation entre votre cycle respiratoire et votre rythme cardiaque. Donc voilà pour ce premier exercice. Le deuxième exercice, c'est un exercice de cohérence cardiaque. D'accord ? C'est un exercice, on l'appelle exercice en 4-7-8. C'est-à-dire que vous allez reprendre l'exercice qu'on a fait au départ, d'accord, cet exercice de respiration abdominale, vous allez inspirer par votre nez pendant 4 secondes, d'accord, vous allez retenir votre respiration pendant 7 secondes et ensuite vous allez expirer par la bouche pendant 8 secondes. On peut le faire ensemble si vous voulez, donc installez-vous confortablement, d'accord, normalement c'est déjà fait. Vous pouvez reposer votre tête évidemment contre votre fauteuil, main sur la poitrine, main sur votre ventre, ok? Et je compte pour vous. Fermez les yeux, inspirez par le nez, soufflez par la bouche, je compte pour vous. C'est parti, inspirez pendant 1, 2, 3, 4, bloquez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, expirez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, inspirez, 1, 2, 3, 4, bloquez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, essoufflez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Ok, donc vous pouvez évidemment renouveler ce cycle-là de la même manière que le premier exercice pour sentir évidemment qu'il y ait une synchronisation entre votre cycle respiratoire et votre rythme cardiaque. Le troisième exercice est un exercice de méditation guidée. Vous pouvez aller chercher un petit peu sur internet des méditations guidées. Il y en a des gratuites et il y en a des très bien qui durent le temps que vous souhaitez. Là, on va juste faire un petit exercice où donc vous êtes assis confortablement, comme les deux exercices précédents. Vous pouvez mettre une main sur votre poitrine, une main sur votre ventre pour ressentir vraiment cette respiration abdominale. Vous pouvez fermer les yeux, évidemment. Et vous allez vous imaginer dans un endroit qui vous plaît, un endroit confortable, un endroit qui vous rappelle de bons souvenirs. Et dans cet endroit-là, vous allez vous imaginer à l'intérieur et vous allez vous concentrer sur votre respiration jusqu'à ce que vous vous sentiez bien, que le stress est un petit peu parti, un petit peu éloigné et qu'il y ait encore une fois cette synchronisation entre votre respiration et votre rythme cardiaque.
Voilà pour ces trois exercices, j'espère que ça vous a plu et on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. À bientôt!